Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Brevet, Métropole, septembre 2017. Exercice 5. Pour chaque affirmation, dire en justifiant si elle est vraie ou fausse. Affirmation 1. Programme de calcul A. Choisir un nombre, ajouter 3, multiplier le résultat par 2. Soustraire le double du nombre de départ. Le résultat du programme de calcul A est toujours égal à 6. Affirmation 2. Le résultat du calcul 7 cinquièmes moins 4 cinquièmes fois 1 tiers est égal à 1 cinquième. Affirmation 3. La solution de l'équation 4x-5 est égale à x plus 1 est une solution de l'équation x carré moins 2x est égale à 0. Affirmation 4. Pour tous les nombres entiers n compris entre 2 et 9, 2 puissance n moins 1 est un nombre premier. Alors, exercice 5, à vrai ou faux, avec des calculs. Donc, première affirmation. Donc, on a un programme de calcul. Choisir un nombre. Donc, on va dire x. On va l'ajouter à 3, donc x plus 3. On multiplie le résultat, donc x plus 3, on le multiplie par 2. Et on soustrait le double du nombre de départ, donc 2 fois x. On réduit cette expression-là, donc on développe et on réduit. Donc ici, 2x, 2 fois x, plus 2 fois 3, 6. Donc si on développe ici, 2 fois x, 2 fois 3, 2x plus 6, moins 2x. Or, 2x moins 2x disparaît, il va rester 6. Le résultat du programme de calcul A est toujours égal à 6, donc ça c'est vrai. Donc l'affirmation 1 est vraie. Le résultat du calcul 7 cinquièmes moins 4 cinquièmes fois 1 tiers est égal à 1 cinquième. Alors 7 cinquièmes moins 4 cinquièmes fois 1 tiers. La multiplication est prioritaire sur la soustraction, donc on fait 7 cinquièmes moins 4 fois 1 sur 5 fois 3, donc multiplication, multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. 7 cinquièmes moins 4 sur 15. Ici, on a une soustraction, donc on met au même dénominateur, 7 fois 3 sur 5 fois 3, moins 4 quinzièmes, sachant que bien entendu 5 fois 3 est égal à 15, donc 21 sur 15, moins 4 sur 15. On trouve alors 17 sur 15, et 17 sur 15 est manifestement différent de 1 cinquième. 17 sur 15, on peut vérifier, c'est égal à 1,13, et 1 cinquième, bien entendu, c'est 0,2. Donc 10 quinzième est différent de 1 cinquième, donc l'affirmation 2 est fausse. Alors, la solution de l'équation 4x moins 5 est égale à x une. On va résoudre cette équation. 4x moins, 3, moins x. 4x moins x est égal à 1 plus 5. Donc, moins 5 va de l'autre côté en plus 5. Et x en moins, se transforme en moins x quand on passe de l'autre côté. Donc 3x est égal à 6. X est égal à 6 tiers. C'est égal à 2. Et maintenant, la solution de x carré moins 2x égale à 0. On factorise, donc on a x fois x moins 2x égale à 0. On peut factoriser par x, x, x moins 2. Donc ici on a x fois x, on retient un facteur de x, donc il va rester x. Moins 2 fois x, on retient un facteur de x, il restera 2. Donc x fois x moins 2 est égal à 0. Ici, on a une équation produit. Soit x égale à 0, soit x moins 2 est égal à 0. Donc x ici va être égal à 2. Donc on a cette solution-là, et bien solution de l'équation x carré moins 2x. Donc ici, l'affirmation 3 est vraie. Alors ici, pour tous les nombres entiers n compris entre 2 et 9, 2 puissance n moins 1 est un nombre premier. Alors on va tester. N égale à 2, c'est 2 puissance 2 moins 1. 4 moins 1, c'est égal à 3. Ça, c'est bien un nombre premier. N égale à 3, 2 puissance 3 moins 1.
2 puissance 3, c'est 8, moins 1 est égal à 7. C'est bien un nombre premier. N égale à 4. 2 puissance 4, moins 1. 2 puissance 4, c'est 16, moins 1 est égal à 15. Or, 15, c'est égal à 3 fois 5. Donc ça, ce n'est pas un nombre premier. On s'arrête ici. On dit que l'affirmation 4 est bien fausse.